vis avec une Algérie qui n'existe plus, en fait. Tu vois, l'Algérie de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse, si tu veux, tout ce pays, il a changé. Mais... Les souvenirs, c'est un peu des, comme des flashbacks, comme ça, comme des quelques petits souvenirs comme ça. Donc, voilà, l'un des premiers souvenirs que j'ai, c'est en fait, on habite un immeuble du côté de Boulevard des Martyrs, et c'est les hauteurs de Alger. C'était un petit appartement, c'est un trois pièces, mais il y avait des gamins partout et des femmes aussi partout. Donc là, dans la journée, l'appartement c'était un terrain de jeu, mais la nuit c'était une sorte de dortoir comme ça, dans toutes les chambres. Une enfilade de gamins et de femmes qui dormaient comme ça la nuit. L'explication, je l'ai appris bien plus tard, hein, c'est-à-dire c'est que nous, mes parents, ils sont originaires d'une région qui s'appelle Bouzguen. Et dans cette région-là, la guerre était très, très, très dure. C'est-à-dire, c'était devenu ce qu'on appelle une zone interdite. C'est-à-dire, tous les gens ont été rassemblés dans des camps. Ils ont laissé leur maison, leur village et tout ça. Et comme c'était un peu invivable dans les camps, chez nous, c'était devenu une sorte de camp de réfugiés avec toute la famille. Une nuit, on était sorti avec ma mère. On était parti chercher mon père. Il n'était pas rentré, il faisait tard, il y avait le couvre-feu. Il faisait tout noir et je sentais bien que ma mère, elle avait peur. Hein. Et on marchait. J'étais très fatigué, je voulais qu'elle me porte, mais bon, j'ai marché. Et on a été jusqu'à l'école où travaillait mon père. On est arrivé devant une espèce de portail. Et voilà. Et puis au bout d'un moment, mon père est venu. Il y avait beaucoup de monde dans la cour de l'école, ils discutaient et tout ça. Après, il est venu, il était très fâché qu'on soit venu. Et on est redescendu après, je crois que c'est la voiture du directeur de l'école qui nous a ramenés tous à la maison. Et ça, à l'époque, donc c'était le couvre-feu. Et quand tu sors dehors, tu n'es pas sûr de rentrer à la maison. Il y avait beaucoup d'attentats. Donc je pense que ma mère avait très peur. Elle a dû penser qu'on l'avait assassiné ou un truc comme ça. Un jour, on regardait vers le bas. Il y avait des voitures arrêtées. Il y avait quelqu'un qui était allongé par terre. Enfin, il était blessé ou mort, je ne sais pas. Il y avait des gars, des gens comme ça habillés en noir. Habillés en noir et... Moi, je regardais, à un moment, un des types habillé en noir, il a pris son arme et il a tiré comme ça dans ma direction, dans la direction du balcon. Et moi, je n'ai pas réalisé ce que c'était exactement. Moi, je l'ai vu tirer, mais je ne savais pas. Puis à un moment, il y a ma mère qui est venue, qui m'a rentré à la maison et qui a fermé les volets, etc. Tu vois, c'était effectivement la période juste avant l'indépendance. Donc il y avait beaucoup, beaucoup d'attentats de l'OAS. Et surtout là, dans le coin où on habitait, il y avait eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont été descendus comme ça. Et puis le grand souvenir qui reste, c'est évidemment le jour de l'indépendance, où on est sortis tous avec on était bien habillés en vert, blanc, rouge avec des petits drapeaux. Il y avait un pin's ici sur la culotte. Un pin's avec le drapeau algérien vert, blanc, rouge.
Je voyais que les gens étaient très très heureux, très joyeux par rapport à toute la période où c'est peut-être même une des premières fois où je me rappelle que je suis sorti de la maison. Les rues de la capitale dévastées après les affrontements d'hier, où des jeunes de 12 à 20 ans ont renversé des voitures, brisé des vitrines, incendié des bâtiments publics, symbole de l'opulence, de l'État ou du parti, au cri de jeunes, levez-vous. Mais aujourd'hui, la situation s'est considérablement aggravée en fin de matinée. Au beau milieu de la place, on commençait à voir apparaître les chars, tu vois. Des blindés se sont postés devant les bâtiments officiels et au point stratégique, le port, le parlement, la télévision. L'image que j'ai, ce que j'imagine, c'est comme ça un jeune tu vois, qui vient de recevoir une balle et de sa poitrine, c'est des silhouettes. Au lieu du sang, c'est des silhouettes comme ça qui jaillissent et qui font une foule de gens qui courent. Qui marche. Le 5 octobre 88, c'est quelque chose qui a déclenché vraiment, c'est comme une deuxième indépendance un peu, enfin entre guillemets, tu vois. C'est vraiment une sorte de révolution en Algérie, tu vois, qui a modifié tout le pays. Une émission de télévision d'ailleurs ici à Paris, ça a été enregistré ici pour la télévision algérienne. Moi j'ai chanté trois chansons, il y a deux chansons avec du texte et une chanson où il n'y avait pas de texte. Et au final, quand l'émission est passée à la télé, il ne restait plus que la chanson où il n'y avait pas de texte.